Where is the love, ou comment les jeunes d'aujourd'hui envisagent-ils la relation de couple? Depuis septembre 2012, 5 classes de 5e et de 6e de l'Institut Sainte-Marie de Pêche, situé près de Couvain, en province de Namur, ont participé à une série d'animations de sensibilisation à la violence conjugale dans le cadre du projet Where is the love? Projet initié par la Fédération InfoJeunes, en partenariat avec l'AMJ le 404, le CPMS Libre de Couvain, les centres InfoJeunes de Couvain et de Namur et la Cellule Égalité des Chances de la province de Namur. Pas moins d'une septantaine d'élèves ont pu travailler autour du court-métrage Fred et Marie, présenté et animé par le CPMS Libre de Couvain, ou encore avec l'UTM Sans Violence, présenté par les médiateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une pièce de théâtre forum jouée par la compagnie Buissonnière leur a également été proposée avant de permettre aux jeunes d'en rejouer eux-mêmes certaines scènes. Enfin, ce 22 janvier, le projet se clôturait à l'école de pêche. Les derniers ateliers étaient proposés sous forme de tournante aux élèves. Ces ateliers visaient à synthétiser tout ce qu'ils avaient pu apprendre depuis le début de Where is the Love et surtout, bien sûr, à leur donner l'occasion de s'exprimer positivement. Exprime-toi, dialoguons, teste-toi ou encore réagis, tels étaient les noms donnés aux différents ateliers. Parmi ceux-ci, l'atelier Oriente-toi, où les élèves recevaient une mise en situation et pouvaient ensuite aller à la rencontre de personnes ressources, d'ASBL spécialisées en matière d'aide à la lutte contre la violence conjugale. Parmi elles, Betty Batoul de l'ASBL Succès, invitée pour l'occasion et témoignée de la reconstruction possible, ou encore le service Déclic, service d'accueil pour les victimes de violences conjugales.